Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un petit Lenormand qu'on ne voit pas, en tout cas moi. Je ne l'ai vu nulle part sauf sur une chaîne. Mais je ne sais plus laquelle c'est. Donc, d'avance, je suis désolée. C'est soit sur la chaîne d'Il était un autre monde, soit sur la chaîne de Vivimoon. Mais je ne sais pas si elles passeront par là. C'est sur une de ces deux chaînes-là que je l'ai vue, je suis presque sûre. Et j'avais totalement craqué. Et puis, je l'avais pas vraiment écrit sur ma liste, en fait. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques temps de ça, je me suis souvenue de ce jeu. Je suis allée voir sur Etsy, parce qu'on peut le trouver sur Etsy. Et j'ai vu qu'il ne restait pas énormément d'exemplaires. Je ne sais pas s'il sera réimprimé ou pas. Et en fait, ce n'est pas un jeu qui coûte très, 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 très cher. Et donc, je me le suis commandé parce que j'avais vraiment, 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 vraiment envie de l'avoir. Vous allez voir, moi, je le trouve très, très joli. Alors, il n'est pas tellement dans cette thématique d'automne, par contre. Il fait beaucoup plus belle saison, et notamment été, vous allez comprendre tout de suite. Mais qu'à cela ne tienne, je ne sais pas. Peut-être que je ne l'utiliserai pas beaucoup pour le moment. Je l'ai déjà utilisé, celui-là. Vous voyez qu'il n'est pas dans l'ordre. On a cette belle carte du bouquet que je contemple. Donc, c'est très chouette. Et je le reprendrai de toute façon à la belle saison. Donc, il arrive dans un petit pochon comme ça, en rose très clair, un peu poudré. J'adore ce rose. Bon, moi, je suis très rose, mais les roses, vraiment, ce qu'on appelle le rose bonbon, qu'on adore quand on est petite fille, j'aime un peu moins maintenant, hein, l'âge que j'ai. Par contre, je continue à adorer ce rose un peu passé, ce rose un peu poudré. D'ailleurs, qui est totalement assorti au gilet que j'ai mis aujourd'hui, parce que j'adore toujours ce rose. Alors, je vais vous retrouver la carte de présentation quand même. Donc voilà, c'est le Cosmic California Lenormand de Kathleen Bergman. Et donc, vous pouvez le trouver sur Etsy. Et l'avantage, c'est que ne vous y trompez pas, même s'il s'appelle California et qu'il rappelle la Californie, il vient d'Allemagne. Donc, les frais d'envoi sont raisonnables et vous n'avez pas de frais de douane. Ça arrive simplement dans votre boîte, tranquillement. Donc, elle a un site et elle en vend d'autres. Elle en a un ou deux. J'ai repéré qu'elle en avait un ou deux qui me plaisaient très, très fort, qui sont beaucoup plus pour la saison de maintenant, qui font plus mystère. Pas vraiment Halloween, mais quand même saison sombre, mais sans faire peur. Je ne sais pas si je ne craquerai pas là pour cette saison déjà. Mais là, il y en avait plus, donc je me suis plutôt précipitée sur celui-ci, ne sachant pas si elle allait en refaire ou pas. Et on a un flash code pour le petit livret. Voilà, et j'ai 10%. Donc la boutique, c'est le Normand Love. Et j'ai 10% sur ma prochaine commande. Donc éventuellement, j'irai voir avec les 10% pour me prendre l'autre jeu parce qu'il me plaisait bien. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y en avait deux? Enfin, je ne sais plus. Je dis ça comme ça. Alors, voici le dos. Donc, un palmier. Ça fait très Californie. Donc, il est rose assez pâle. C'est vrai qu'ici, on pourrait... Non, ça se voit, ça se voit. Je pensais qu'on pourrait dire qu'il est blanc ou crème. Mais il est rose très pâle. Donc, je m'en suis servi. Donc, les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais on verra ça quand même bien. Vous verrez, elles sont assez reconnaissables. Les tranches sont neutres. La qualité, elle est bonne, mais sans plus. C'est pas foufou. C'est assez fin. Mais il se brasse bien. Je n'ai pas eu peur de l'abîmer en le mélangeant. Puisque je vous dis, je l'ai déjà utilisé. La sensation quand on le mélange n'est pas du tout qu'on va l'abîmer parce que quand on a le paquet comme ça, il est rigide. Vous voyez? Donc voilà.
Il a une taille normale de petit, le Normand. Donc ça, je ne vous avais pas dit. Voilà. Et donc, voici le bouquet. Regardez ça, comme je le trouve magnifique, ce jeu. La montagne. L'ours. Le cercueil. Les oiseaux, donc ils sont des colibris, si je ne me trompe pas, et d'où ma mise en contact avec des colibris pour le moment, depuis que j'ai acheté l'oracle, c'est un truc de fou. Le chien qui garde la maison, la dame ou la femme, bon, ça fait très californien, effectivement. Le cavalier, donc, il fait aussi très californien, hein, sur sa moto, avec la rue, les palmiers, le feu comme ça. L'encre. Donc celui-ci, c'est clair qu'on était, il est génial. Le renard. Par contre, ici, on a plus une ambiance automnale, mais on pourrait la lier à la temporalité, de la carte, si on voulait. Le cœur, donc là évidemment on a le fameux pont de, ouais, je vais l'oublier. Il est où encore ce pont? À Los Angeles? Non, je crois pas. Je me trompe. Je me trompe de ville, je crois. Enfin bon, le fameux pont. La clé. L'homme. Du coup, oui, l'homme et la femme, pour ceux qui aiment bien, se regardent. Donc, voilà. On peut jouer là-dessus si on le veut. La tour. Le trèfle. Je la trouve très, très, très belle aussi, celle-là. Et justement, c'est comme dans le Hanaka le Normand. On a la fleur du trèfle et on n'a pas toujours la fleur du trèfle. Le lys, j'ai eu un moment d'hésitation parce qu'évidemment ce ne sont pas des lys. Ce sont des nénuphars. Alors l'étoile, la maison. Bon, bah là c'est typique de évidemment. La maison californienne, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Ah non, voilà, si, si, la lune, le soleil, le jardin, avec le parc comme ça, l'attraction, la souris, regardez-moi si elle n'est pas mignonne. Cette petite souris. Alors certes, la scène ne nous donne pas trop la signification des souris. Elle est toute seule déjà. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alors, le balai. Ici, on a juste des balais. Les poissons. Les nuages. Elle est très jolie cette carte aussi, je trouve. Avec un champ de coquelicots. Et puis, bon, les nuages qui s'effacent. Hein. La lettre. Le livre fermé. La croix. On a aussi la lumière, hein, sur cette croix. Donc, là, on a l'impression qu'on va s'élever vers la lumière. Hein. On a déjà le cœur qui est très lumineux, et puis plus on monte, et plus c'est lumineux. Donc j'aime beaucoup aussi la symbolique. Les oiseaux. Là, on a des, si je ne me trompe pas, ce sont des hérons. Mais alors, je ne suis vraiment pas une experte en ornithologie, donc c'est peut-être pas ça. L'anneau.
L'enfant, regardez-moi ça, si elle n'est pas jolie, cette carte. Elle est magnifique. Moi, je suis fan. L'arbre, je le trouve magnifique aussi. Vraiment, 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 vraiment magnifique. Et le serpent. J'aime pas trop, vous savez. Les serpents, j'aime pas. On passe assez vite. La faux. Alors. Non, il me semblait bien. Je vous disais une bêtise. Ça, c'est l'étoile. Et donc, l'autre carte, c'est les chemins. C'est, je me suis laissée avoir la première fois que je l'ai utilisée. Parce que la numérotation du petit Lenormand, je ne la connais pas encore. Je la connais, mais pas aussi bien que celle du tarot. Et je me fais avoir. Donc, ça, c'est les chemins. Et ça, par contre... c'est pas évident parce qu'en fait, de nouveau, on n'a pas cette notion du choix. Mais là, on a bien les étoiles. Hein. C'est bien la 16, en fait, je le sais. Je sais que la 16, c'est les étoiles. Par contre, je n'en dis jamais que c'est la 22, les chemins. Et on n'a pas cette notion de choix, je trouve. On a cette notion d'avancer. Hein, encore une fois, vers la lumière, on a l'étoile... Les fameuses étoiles du boulevard, je ne sais plus comment ils s'appellent, là. Là, pour le coup, c'est à Los Angeles. Voilà. On n'a pas cette notion de choix. Et je me souviens très bien que la première fois que je l'ai utilisé, je me suis laissée avoir. Et on termine avec le vaisseau. Donc, c'est la seule carte qui peut prêter à confusion. Mais je l'adore, je lui trouve une énergie, donc pour le coup, très vacances pour nous, puisque pour nous, évidemment, la Californie peut évoquer surtout des vacances. Comme vous le voyez, les coloris sont très, très clairs, mais en même temps très vifs. Donc, je lui trouve vraiment une énergie belle saison et même plus été encore que printemps. Donc je pense que je l'utiliserai surtout à ce moment-là, mais bon voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé quelques fois déjà maintenant, avant la saison où je vais ressortir mes petits Lenormands plus sombres, et notamment j'en ai deux qui font vraiment Halloween, donc ceux-là j'ai envie quand même de les ressortir pour pouvoir m'en servir quand même quelques fois. Donc voilà, pour la présentation du Cosmic California Lenormand, donc de Kathleen Bergman, et donc la boutique Etsy, c'est le Normand Love. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si éventuellement vous le connaissiez, si vous l'avez vu passer. S'il y en a une de vous qui passe sur la chaîne, redites-moi, c'est sur ma chaîne que tu l'avais vu. puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.